Et bien salut tout le monde, c'est JojoGamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour les nouveautés de la semaine. Ils viennent seulement d'arriver à 14h, c'est vraiment un gros retard et on va voir un petit peu tout ce qu'on va pouvoir y retrouver. On va faire ça assez vite parce que malheureusement j'ai des choses à faire et j'ai pas trop eu le temps cet après-midi, donc on va essayer de faire vite et compréhensible au maximum. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu toutes les nouveautés. Alors au véhicule du casino, on va pouvoir retrouver la Oslo Lynx avec ce magnifique motif qui est juste ici. Donc c'est le motif, alors je sais plus comment ils appellent exactement ce motif, c'est comment, c'est zéro, voilà, Casus zéro, voilà. Donc c'est la Oslo Lynx, très belle voiture avec ce très beau motif. Cette semaine ils ont monté les prix de chacun des véhicules que je vous avais cités la semaine dernière. Je ferai une vidéo complète pour ça, mais par exemple Oppressor est passé à 8 millions, voilà, et plein d'autres choses ont changé, plein de prix ont changé. Mais on va voir tout d'abord les activités. Alors on aura tout d'abord comme activité toutes les activités de Dax, donc les secondes doses que vous allez pouvoir retrouver à cet emplacement-là sur la map. Donc faudra avoir fait des premières doses et toutes les secondes doses, vous aurez un bonus de 50% supplémentaire dessus. Sinon, au niveau des activités, il y a un mode versus qui est de retour. Il vous suffit d'aller juste ici dans les activités de Rockstar versus et il est juste ici, c'est prix pour cible. Vous en avez trois différents et du coup, c'est doublé en GTA dollars et en RP. Donc d'ailleurs j'ai fait bugger un peu l'écran de pause, je sais pas si vous avez vu. Ensuite au niveau des promotions, alors je vais pas pouvoir vous montrer sur le site parce que j'ai déjà acheté, mais par exemple le garage à 50 places qui est juste ici est en réduction cette semaine, il est en réduction à moins 30%. Donc vous pourrez l'acheter qu'une fois, et une fois acheté vous pourrez le modifier dans le menu d'interaction. Donc sinon vous allez sur le site des propriétés, vous pourrez le retrouver directement, mais une fois acheté il disparaîtra du site. Donc sinon il se trouve ici, vous avez la pancarte, vous y allez. Je vous montre quand même où vous allez pouvoir le retrouver sur le site. Il vous suffit d'aller sur internet, argent et services, ensuite vous allez sur Dynasty, vous faites voir les propriétés et il sera situé juste ici. Au niveau des promotions, vous allez vous rendre sur le site de Legendary et vous allez avoir la NTT MX qui est sortie avec le dernier DLC qui est en promotion à moins 25%. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez deux autres véhicules qui seront en promotion. Donc il vous suffira de vous rendre sur le dernier site, San Andreas. Et vous aurez du coup la petite Tulip qui est sortie avec le dernier DLC, donc la Tulip M100 qui sera en réduction à moins 25% également. Et dans la catégorie des 5 portes, vous allez pouvoir retrouver la petite Kuruma blindée qui est juste ici en réduction également. Donc voilà pour tout ce qui est des réductions, c'est les seules réductions qu'il va avoir cette semaine. Je vous rappelle également qu'il y a énormément de véhicules qui ont changé de prix. Je vous ferai une vidéo dans la soirée pour ça, elle arrivera vers 19h30 20h. Donc n'hésitez pas à rester actif. Par exemple regardez, le prix de la Oppressor MK2 est passé à 8 millions, ça fait plaisir, des bons prix qui sont montés sur les véhicules un peu cancer et ça fait vraiment plaisir. On se retrouve tout de suite au salon de l'auto pour voir un petit peu les petites choses qu'ils ont mis en place. Au salon de l'auto, on va pouvoir retrouver la Overfloyd NDT XF, donc la première du nom qui est juste ici de couleur jaune. Ça fait plaisir, ça fait vraiment très plaisir de pouvoir l'avoir au sein de l'auto. Et le défi est le suivant, ils nous disent de terminer dans le top 3 des épreuves de rue pendant 3 jours d'affilée. Épreuve de rue assez simple à trouver, vous faites le menu options, en ligne, activité, jouer, activité. Ensuite vous allez dans créer par Rockstar dans la catégorie des courses, donc pas les courses casse-cou ni les courses au point, les courses course. Et du coup vous faites la flèche de haut et vous allez pouvoir les retrouver assez facilement juste ici. Donc vous faites un top 3, vous arrivez premier, deuxième ou troisième, vous pouvez le faire avec des amis et vous faites ça pendant 3 jours d'affilée. Donc faut pas manquer un seul jour, sinon le défi se remet à zéro. Donc un top 3 pendant 3 jours d'affilée dans les courses poursuites. Ensuite au niveau des véhicules qui sont à essayer cette semaine, on en a plusieurs. On va pouvoir retrouver par exemple juste ici la Peugeot Grasster, à côté la petite Kanjo alors c'est la Kanjo SJ, voilà, qui est juste ici. Et à côté, la petite Tulip qui est également en promotion cette semaine. Donc avant de l'acheter, n'hésitez pas à la tester. Moi, je trouve que c'est un très bon véhicule. Après, niveau vitesse, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, du coup, pour le salon de l'auto, on se retrouve tout de suite au niveau des concessionnaires. Alors au Premium Deluxe Motorsport cette semaine, on va pouvoir retrouver plusieurs véhicules également très sympas. Alors certains qui sont également en promotion. Vous allez pouvoir retrouver juste ici la petite Tulip qui est également en promotion, ouais, que vous pourrez tester juste ici. Vous avez à côté la petite Starfall, voilà, la petite Kuruma blindée qui est également en promotion cette semaine. Alors j'ai dû me tromper, mais j'ai cru voir la Tulip au sein de l'auto, mais c'était peut-être pas elle. C'était une autre voiture, mais voilà, c'est la Tulip qui est en promotion cette semaine, je me suis trompé. Ici, on va pouvoir retrouver la
Conquest D10 et à côté une voiture qui fait son retour, qui avait disparu et qu'ils ont remis, c'est la Easy Rally qui est juste ici, que vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, vous allez pouvoir la retrouver sur le site de Soustern, vous êtes en voyage et transport, Soustern, et elle se situe dans à la une normalement, voilà, elle est juste ici. Donc elle fait son retour pour cette semaine, c'est un véhicule qui est assez sympa, et sur NetGen il y a la version HSW, elle est au prix de 1 835 000 GTA dollars, donc voilà, le retour est juste ici, ça fait plaisir de pouvoir la retrouver simplement à l'achat, en tout cas c'est assez sympa, voilà, donc on va tout de suite passer simplement à la suite du concessionnaire pour terminer cette vidéo, et ensuite je vous ferai la vidéo avec toutes les hausses de prix, même si je vous l'ai déjà fait ce soir, donc comme ça vous avez simplement les informations sur tout ça. Alors au niveau du Luxury Auto, on va pouvoir retrouver deux Entity. Donc on a tout d'abord la petite Entity XXR qui est juste ici, et à côté la magnifique Entity MX qui est également en promotion. D'ailleurs ce bleu est magnifique sur cette voiture. Je trouve que ce concessionnaire a vraiment l'effet de lumière qui rend trop beau tous les véhicules, peu importe la peinture qu'ils ont. En tout cas ça fait plaisir de les retrouver juste ici. Et du coup voilà pour les nouveautés de la semaine. Restez actifs sur la chaîne, il y a une autre vidéo qui va sortir dans la journée, il y a des éléments rares à débloquer, et vous allez avoir également tout ce qui est de la hausse des prix, je vais faire une vidéo dessus également, donc n'hésitez pas à rester actif. Le petit like, le petit partage, le petit abonnement, on l'a passé bientôt la barre des 26 000 abonnés, on l'avait galéré à l'avoir cette barre des 26 000, ça fait un petit moment qu'on stingue un peu sur les abonnements, c'est pas très grave, hein, vous inquiétez pas, je comprends, c'est vrai que GTA commence à être un petit peu vieux et voilà, un petit peu rodé, mais en tout cas merci à tous ceux qui continuent de s'abonner, à liker, à partager, à rester fidèles sur tous les lives, ça fait extrêmement plaisir, et puis si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, et puis moi je vous dis ciao à tout le monde, à plus.